j'ai rencontré Manon, qui est en terminale au lycée à Rio et qui ne s'était jamais posé la question de Dieu. Et en fait, en parlant avec elle, elle s'est rappelée que sa grand-mère était très croyante et que finalement, on lui avait jamais posé de questions. Donc, elle est, à la suite de notre discussion, elle s'est dit qu'elle allait poser des questions à sa grand-mère. Et puis, elle n'était jamais rentrée à l'église. Donc moi, quand je l'ai rencontrée, il était 11h du matin. Et quand, et en fait, le soir, j'étais au square avec mes enfants. Et qui est-ce que je vois sortir de l'église? Manon, bras dessus, bras dessous, avec son amie, qui venait de manifestement passer un moment dans l'église. Voilà. Et puis, je voulais parler aussi de Bernadette, qui était au square, qui était très pressée, pas le temps de nous parler. Et puis finalement, elle nous dit, bah, ça tombe bien que vous veniez me parler de Dieu, parce que je me pose beaucoup de questions. Avec quelques amis, certaines amies lui proposaient de l'ésotérisme. Alors finalement, ça tombait bien que nous aussi, on lui propose quelque chose. Et finalement, elle nous confie que son mari est atteint d'un deuxième cancer. Et elle a été très heureuse de savoir qu'il y avait cette prière pour les malades lundi. Et qui tombait très bien, parce qu'elle devait s'occuper de ses petits-enfants après, qui étaient dans le quartier. Donc elle est venue à la prière des malades et ensuite chercher ses petits-enfants, voilà. Donc, voilà, les gens du quartier n'attendent que nous. Continuons.